film. Là, je sais pas qui c'est qui a peint ça, mais c'est pas mal. Angus. Ouais. Pas mal. En fait, vous avez l'original chez vous. Oui. Bruno, alors je trouve que cette femme, elle est un peu étrange quand même. Ouais, moi j'aime bien sa tumeur cancéreuse sous le bras. Sous le bras, oui. Sous les selles, quoi. Ça, c'est pas mal. Non, mais je trouve qu'elle est étrange parce que donc elle est très très longiligne comme ça. Elle a un dos assez souple. Ouais. Et avec un bras très très long. D'ailleurs, on retrouve ce bras-pied quelque part. Oui, que tu nous as parlé il n'y a pas longtemps. Oui, absolument. C'est des espaces très particuliers. Si on regarde les deux pieds, les deux jambes, hein, en fait. Ils sont aussi... Le bras-pied, on va s'approcher. Voilà. On retrouve ça. C'est ça, là. Et là, évidemment, c'est aussi là, sectionné par l'élément, là, l'espèce de... Je sais pas le mollet, il est coupé en deux. C'est une espèce d'éventail. C'est comme par rapport au vase de Cézanne. Voilà, c'est ça. Hein. Partie droite, partie gauche. Deux espaces différents, hein, parce qu'il y a un espace à gauche avec le genou, le bras, l'amorce de la fesse, de la cuisse, qui est tout à fait dans une autre luminosité que la partie droite, hein, les pieds, etc. Donc ça crée vraiment deux espaces différents, et la main faisant le lien entre donc ces là, deux espaces. Donc là, l'espace sombre, et en plus il y a cette courbe de ce dos-là, et avec ce drapé, là, après qui remonte. C'est ça. Magnifique drapé, d'ailleurs. Là aussi, une ponctuation de petits éléments décoratifs, comme chez Uccello, tout à l'heure.